des semaines que j'essaie de le convaincre de prendre des vacances. Gloria, elle comprend bien à quel point il est dur de gérer une ferme. Mais pas moi. Qu'est-ce qui est si dur? Tes ouvriers labourent les champs. Tu as juste à nourrir les animaux. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir autant de bouches à nourrir. Donnie, je dois nourrir Garfield et Odie. Tu n'as pas tort sur ce point, mais je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Donnie. Au fait, où est passé Garfield? Allez, allez, je veux retourner à la civilisation. Garfield n'aime pas trop la campagne. Je maintiens encore qu'il n'est pas compliqué de nourrir des animaux. Et moi, je maintiens que tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Et moi, je maintiens que je veux rentrer. Il travaille plus dur que tu ne le crois, John. Il a réellement besoin de prendre des vacances. Un jour, peut-être. Je devrais ramener Garfield avant... Voilà ta commande, Garfield. Trop de livraison d'urgence. Chaud des vents. Bon appétit. D'accord, on y va. Attends, on doit me parachuter des sandwichs au thon dans 5 petites minutes. Revenez vite nous voir. À très bientôt. Rentrez bien. Alors on les organise, ces vacances. Mais qui va s'occuper de la vache et du cheval et des volailles et des... Tu trouveras bien quelqu'un. Tu as raison. Et je sais même qui s'en chargerait. Cette visite chez mon frère m'a fait beaucoup de bien. Il n'a même pas la télé. Sa ferme est vraiment géniale. Le coq crie à 5 h du matin. L'air est si pur là-bas. Ouais, enfin, il faut aimer l'odeur des vaches. Oh, qui ça peut être? Donnie! Gloria! Salut, John. Ne l'appelle pas Donnie. Donnie et Gloria. C'est vrai, même eux n'en peuvent plus de la vie à la ferme. J'ai enfin réussi à le convaincre de partir en vacances. Et je ne sais même pas où on va, ni même quand est-ce qu'on revient. Tiens, on pourrait aller rendre visite à cette parente dont tu me parles souvent. Laquelle? Et tu sais ta tante, je sais plus quoi. Tante Sylvie. Bah, oublie ce que je viens de dire. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas dans cet épisode. C'est sans danger. Au fait, qui va s'occuper des animaux en votre absence? Quelqu'un qui pense que c'est un jeu d'enfant. Moi? C'est impossible! Je n'ai pas le temps de me rendre à ta ferme! Mais qui a dit que tu allais t'occuper des animaux dans ma ferme? J'aime pas beaucoup la proximité de ce... Oh non! Je crois que je n'aurais pas dit mieux, John. Donnie! Donnie! On vous a laissé de la nourriture et un CD d'instructions pour les nourrir. Merci, John. On se revoit à notre retour de vacances. Si on revient un jour. Et ne m'appelle pas Donnie. Dans ce genre de situation, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu me suis, Eddie? On restera à l'hôtel jusqu'à ce que les animaux partent. Pas question. Vous n'irez nulle part, vous deux. Vous allez rester ici pour m'aider à nourrir les animaux jusqu'à ce que Donnie et Gloria reviennent. S'ils reviennent un jour. On va laisser les animaux dans le jardin. Ça se passera bien. À moins qu'il commence à pleuvoir. Je ne vais pas t'empêcher de dire ça, hein? Venez, on va les faire entrer. Le pire dans tout ça, c'est qu'on venait juste de faire le grand ménage de printemps. Il n'y aura pas assez de nourriture. Je vais aller en acheter avant que le magasin ferme. Tenez, mon frère a laissé un CD qui s'appelle « Comment nourrir les animaux de la ferme ». Suivez les instructions et donnez-leur à manger. Si vous ne le faites pas, vous serez privé de dessert pendant 5 ans. À tout à l'heure, je reviens vite. D'accord, voyons ce que ce CD va nous apprendre. Oui, alors, bien le bonjour. Voici les instructions sur le thème « Comment nourrir les animaux de la ferme ». Leçon numéro 1, la volaille. Disperser équitablement la nourriture sur le sol. Très bien, essayons ça. À table les poulets. Régalez-vous avec ce bon maïs pour volaille, miam miam. Qu'est-ce que vous attendez pour manger? Bon, mais tu mangerais ça, toi? Probablement. Il y a peu de choses que je mange pas. Alors goûte. D'accord. Non, c'est vrai. Berk, je vais vous trouver de la meilleure nourriture. Quoi? Mais pourquoi tu cries comme ça? Parce que c'est juste que j'adore faire cocorico. Du fond de mon âme, du fond de mon cœur, je crie cocorico. Et moi je l'entends du fond de mon oreille. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je fasse cocorico. Je peux y remédier. Viens, suis-moi. Très bien. Passons à la suite. Bon alors, leçon numéro 2, la chèvre. Les gens pensent que les chèvres mangent des boîtes de conserve. Ah bah c'est pas vrai. Ce qu'elles aiment, c'est lécher la corde de l'étiquette qui recouvre les boîtes de conserve. Ah, c'est très bon à savoir, monsieur Lavoie. Voilà, je sais que vous ne mangez pas vraiment la boîte, mais... Il y avait quoi dedans quand elle était pleine? Des raviolis, je pense. Alors toi, tu as droit aux raviolis et moi... à la boîte. Attends une petite minute. Tu viens de faire tomber quelque chose derrière toi. Mais je vois rien. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai retrouvé de la meilleure nourriture. Leçon numéro 3, le cheval. Le cheval se nourrit de foin. Odie, apporte du foin ici. Hé, n'en fais pas tout un foin. Je vais pas manger ça. As-tu déjà goûté au foin? Oh, c'est sec. Ça n'a aucun goût, c'est... Comme le rôti de John. Oh, quand même pas aussi mauvais. J'en reviens tout de suite. Voilà, il n'y a aucun plat au monde qui soit appétissant sans une dose de sauce tomate. Bon appétit. Bah... Non, autant pour moi, c'est pas de la sauce tomate, c'est de la sauce piquante extra forte. Écoute, je suis sincèrement désolé, je peux me rattraper. Comment? Je vais vous donner de la véritable nourriture. Voyons voir. Alors, les macaronis d'hier, les restes de nourriture chinoise... Cette nourriture a beaucoup plus de goût que celle de Donnie. Cocorico, il faut qu'on reste ici. C'est décidé, on reste tous ici. Oh, non, on peut pas les garder ici, Odie. On va prendre des mesures radicales. Plus radicales que ça. Encore plus radicales que ça. Encore plus radicales que ça. Oh, s'il y a des enfants qui regardent, détournez les yeux, ce qui suit risque d'être vraiment terrifiant. J'avais dit que Tante Sylvie n'apparaîtrait pas dans l'épisode. J'ai menti. John, j'ai reçu ton invitation et je viens séjourner chez toi pour une durée indéterminée. C'est qui celle-là? Mais on se croirait dans une basse-cour ici. Pire encore, ça sent la basse-cour. Regardez cette poule, elle a 3 plumes sous la crête. Et cette dinde qui expose son croupion. Sortez-moi cette ruminante. Je suis allergique au lait. Et faites sortir ces moutons. Je n'aime pas la laine. Clouez-moi le bec de ce coq-brailleur. Sinon je vous promets qu'il va finir à la cocoricacerole. Mais en disant, c'est partir en vacances. On va partir, Gloria. Je m'inquiète pour les animaux. J'ai peur que John ne sache pas s'en occuper. Je veux juste y faire un saut pour vérifier que tout se passe bien. Mes animaux, ils s'enfuient tous. Revenez, je vais tous vous ramener à la ferme. Un problème de résolu. Maintenant, il reste à régler un plus gros problème. Un problème de taille humaine. Tante Sylvie. On se croirait dans un poulailler. Toutes ces plumes, ces poings. Me déclenche des allergies. Je vais me prendre une chambre dans l'hôtel le plus cher de la ville. Aux frais de John. Gros problème résolu. Maintenant, il me reste une dernière chose à faire. Tu te souviens du CD? Je vais essayer de trouver sur Internet qui l'a enregistré. Parce que je viens d'avoir une petite idée. Je ne sais pas comment ça se fait, mais Donnie a appelé et il a dit que ces animaux étaient retournés à la ferme. Il va trouver quelqu'un d'autre pour les garder à notre place. Parfait. Bon, et maintenant, écoute ça. Le lecteur CD? Tu veux me faire écouter quelque chose? Bonjour, voici les instructions sur le thème « Comment nourrir Garfield ». Leçon numéro 1, le petit déjeuner. Garfield se contente d'un petit déjeuner frugal, comprenant des crêpes au sirop, des fraises du café sucré avec de la crème, et un supplément de sucre, des concombres verts, des saucisses avec de la moutarde, des œufs à la pâte, des œufs brouillés, des œufs mangés, des lasagnes, des céréales, des tartines à la confiture, du bacon, beaucoup de bacon. Alors, elle est pas belle la vie ?